Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Seguimos aquí en Francia un día más. Hoy día ya es el último, el último día para nosotros de, de feria en Francia. Estamos en el corazón de la producción francesa de ganadería. Los franceses eh, y los bretones, que es la región donde estamos aquí, está, se, se sienten muy orgullosos pues son una región que produce, vamos a decir, que es uno de cada dos litros de leche que se bebe en Francia está producido aquí, en Bretaña. Y uno de cada dos pollos el pongo es producido aquí, también en Bretaña. Perdón, un tercio, por decir. Y es uno de cada dos cerdos que se consume en Francia está producido aquí, en Bretaña. Y, como no, pues no podíamos pasarnos sin visitar a las autoridades de la región. Eh, en el día de hoy tengo, tenemos con nosotros a un productor eh, importante de la zona de Finisterre, de la tierra más, vamos a decir, más al oeste de Francia, en la región bretona francesa, producción de leche. ...y también producción de cerdos, aquí en Francia se estila mucho esto... ...que producen, aparte de dedicarse al bovino de leche, también se, se dedican al porcino. ...también tiene un proyecto de metanización, de producción de energía... ...tiene 300 hectáreas de producción y eso lo gestiona entre 5 socios y 4 trabajadores... Eh, ...aparte de tener pues toda esta, esta cantidad de, de, de trabajo que tiene... Actualmente en, en, en su explotación. Aparte, es presidente de la Cámara de Agricultura de Bretaña. Es decir, es un encargo que agrupa a agricultores, a los productores eh, y ganaderos de, de esta región. Y hemos aprovechado que estamos aquí pues, para entrevistarnos con él. Él se llama André Servagin. Espero haberlo pronunciado bien. y bienvenido, Va Bienvenido. A... Bienvenido, André. Gracias por estar con nosotros. Et j'aimerais commencer au début pour euh, savoir si vous pouvez nous raconter un peu non? Quels, euh, quels sont les soucis qui ont les producteurs, les éleveurs français. Alors, déjà, je veux dire que la Bretagne, c'est la plus grande région d'élevage de la France. Et donc, on retrouve les élevages de lait, de porc, de volaille. Les principaux élevages, ils sont en Bretagne. Et là, depuis euh, allez, un peu plus de 10 ans maintenant, euh, le principal souci, il était d'ordre économique. La rentabilité de nos élevages n'était vraiment pas à la hauteur. Quoi. Et donc, par rapport à ça, on a découragé un certain nombre de producteurs qui arrêtent. Et puis, on a aussi une difficulté à mettre des jeunes dans le métier parce que la rentabilité n'était pas là. Ceci étant, depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, on assiste quand même. Un Une augmentation des prix, prix du porc, prix du lait, voilà, et qui fait du bien aux éleveurs. Et donc j'espère que sur ce volet économique, on verra des choses un peu meilleures demain. Ça fait plus de 20 ans que j'ai visité ces salons, mais c'est un peu le salon de la France. Et j'ai entendu souvent ici, en parler de la souveraineté, souveraineté alimentaire. Et c'est si l'objectif réaliste, ça, en France? On sait des paroles qui n'arrivent pas jamais. Alors, sur le sujet de la souveraineté alimentaire de la France, c'est vrai que c'est un sujet euh, dont on n'a pas parlé en France depuis la guerre des années 45. Parce que la France, c'est un grand pays agricole et qui produit un peu de tout. Donc on se disait, nourrir les Français, il n'y aura jamais de problème. Or, aujourd'hui, on assiste, en France comme en Bretagne, à une décapitalisation. De la partie élevage et plus globalement de son agriculture. C'est-à-dire que son agriculture, dans beaucoup de domaines, n'arrive plus à nourrir les Français. En volaille, par exemple, un poulet sur deux qui est consommé par les Français, il vient d'ailleurs. Et donc, par rapport à ça, nos gouvernants, les dents français, s'inquiètent pour l'avenir et, à juste titre, sur la souveraineté alimentaire. And de question de, on gens, 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 ont ont entendu so sur los Esta e a d ocupacion sobre e amportacions de poulets. Il pare que a partir de la guè de, 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 de F, in en fa fait, qu que asservent s'empport po afrontter de l'avinde de la vos deèvre. De, 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 a fait que l'exploitation française ne soit pas uh, un mot un peu et, et, et en plus, on a, on a entendu parler aussi mais, et, que peut-être qu'il faudrait activer les procédures de sauvegarde. Ça veut dire que, euh, protéger un peu les populations en terme Ça, le gouvernement les européen ou la France et pour ça, euh, pour voit ça. Alors, en fait, aujourd'hui, euh qu'on assiste, donc j'ai dit la décapitalisation de l'élevage et en même temps, il y a plus d'importation c'est-à-dire qu'il y a plus euh, d'enrées alimentaires qui viennent de l'extérieur et euh, on voit bien plus avec euh, l'inflation euh, qu'on subit en France comme ailleurs, les consommateurs changent aussi de comportement hier on nous expliquait il faut produire plus de qualité plus de bio et aujourd'hui on assiste à des consommateurs qui veulent de la qualité toujours, mais à un prix raisonnable. Et c'est pour ça que dans un certain nombre euh, de productions, on voit des importations bien moins chères, produites bien moins chères qu'en France, qui arrivent avec des normes d'élevage qui sont complètement différentes et qui arrivent sur le marché français. Ça nous inquiète un peu. Elle est aussi des plus producteur de Et La fièvre n'a pas touché la France encore, mais elle n'a pas au nord et à l'est. Il y a des mesures à nouveau politique, au niveau secteur, pour prévenir ça au régionnaire. Alors, sur le volet sanitaire... Donc il n'y a pas que le porc, hein. il y a aussi euh, euh, la, la grippe aviaire hein, sur la partie volaille. Euh, il y a deux choses. Euh, la première, dans nos élevages, euh, l'administration française nous a imposé à protéger nos élevages avec ce qu'on appelle la biosécurité. Voilà. Et donc c'est le principe de ne pas les laisser rentrer euh, qui veut dans un élevage globalement. Quoi. Et donc cette biosécurité, elle s'applique à l'échelle de nos élevages. La deuxième chose, on s'est dit... La maladie peut arriver aussi en France, voire en Bretagne. Et si elle arrive, qu'est-ce qui se passe notamment par rapport à l'exportation de nos denrées agricoles Parce que du jour au lendemain, on se retrouverait coupé de ces exportations. Et au niveau politique, on a travaillé la logique de considérer que si la maladie, elle sévit dans le sud de la France, il ne faudrait peut-être pas forcément bloquer toute la France. Donc on a régionalisé. Départementaliser les secteurs de production pour essayer de se protéger un peu le jour où malheureusement ça devrait arriver. On, on a parlé aussi à un peu avant de nous, c'est bien, mais le de, problème des et est déjà travailler sur le fer. C'est une chose qui s'est passé en l'Espagne en est, c'est pareil. Vous pouvez nous êtes travailler dans, dans l'exploitation difficile. Et aussi, il y a un problème possible de renouvellement des gens, des générations, Il y a une politique au, au désert pour ça On ne Président. pas. Alors, euh, ça aussi, c'est un des enjeux qui est là devant nous là, pour la décennie qui vient, pour les dix ans qui viennent. Il y a deux choses. Il y a d'un côté les salariés dont on a besoin pour la production agricole qu'on a, que ce soit dans le domaine de l'élevage ou du légume. Il faut des mains. Pour travailler, même si on essaye de robotiser, d'améliorer les conditions de travail, il faut des mains. On a très peu de main-d'œuvre étrangère en France dans l'agriculture, pour l'instant. Et donc, euh, trouver des Français à venir travailler dans l'agriculture, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est un vrai sujet et on y travaille. Et le deuxième sujet, c'est le renouvellement des générations, c'est-à-dire les chefs des exploitations qui partent à la retraite, qui arrêtent, eh bien, il faut les renouveler. Et là, euh, on assiste à autre chose. Les jeunes, ils aspirent aujourd'hui, même en devenant chef d'exploitation, ils aspirent à avoir aussi du temps libre. C'est-à-dire de ne pas travailler 70 heures par semaine et de pouvoir se libérer les week-ends. Et par rapport à ça, on voit certains jeunes qui font des choix assez euh, radicaux du style, on dégage l'élevage, on garde les terres, on fait des céréales. Et le week-end, on ne travaille pas. Et donc, on a ces sujets-là aujourd'hui déjà, quoi, avec ces jeunes qui changent de comportement. Et c'est pour ça que il hum, y a deux choses aussi pour moi. Un, il faut qu'on retrouve une rentabilité économique impérative pour que les jeunes qui s'installent, qui deviennent des chefs d'exploitation, puissent peut-être avoir un ou deux salariés, voilà, pour se libérer, ou puissent investir pour robotiser et améliorer les conditions de travail. Ça, ce sont des axes essentiels. Et qu sont, ou, ou déjà, de faire livres, quelles sont les priorités de la Chambre d'aéroport euh, euh, de, la, de la priorité, elle est économique. Il faut vraiment euh, que la rentabilité à l'échelle des exploitations. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, euh, au moment où on se parle dans l'espace, on a là, cette année, une ambiance générale plutôt bonne, parce qu'on a eu des conditions économiques plutôt bonnes. Donc ça, c'est bien. Mais derrière ça, il faut quand même, avec une rentabilité qui est là, trouver les jeunes, bien formés aussi, les jeunes, bien formés, parce que ce sont, ça devient aussi des véritables chefs chef d'entreprise, tout simplement, hein, quand on gère une exploitation agricole. Et donc, ça, ce sont les enjeux-là qui sont euh, de suite là, dès de mm -hmm. On est sur le salon espace, sur la lieu que cette année, principalement, ça vient déjà des dernières années, mais cette année, on, on l'a mis sur l'énergie. On a un peu pourquoi ces points sont en espace et qu'ils sont les qu'on Alors, euh, tous les ans, en fait, au espace, on choisit un thème. Euh, et ce sont les agriculteurs euh, comme moi qui choisissent ça. On choisit un thème qui, qui est un peu un sujet, euh, alors d'inquiétude, c'est pas le mot, mais un sujet, ou même peut-être d'avenir. Et là, on a pris l'énergie parce qu'en France, déjà, il faut savoir que l'énergie était. Je pense qu'on était là des pays avec le prix de l'énergie le plus faible en Europe. Et donc, on a besoin d'énergie l'énergie pour euh, ben, faire tourner une exploitation agricole. Et là, du coup, on a eu des surcoûts très importants à dernière Et là, on s'est dit, c'est n'est pas possible, il faut essayer de trouver des solutions. Et dans les solutions, il y en a une qui consiste aussi à produire son énergie pour l'autoconsommer, pour soi-même. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on parle aussi de l'énergie qui pourrait devenir un supplément à l'élevage, complémentaire. Et euh, on se rend compte qu'il y a aussi des possibilités dans la méthanisation, dans le photovoltaïque, voire l'éolien, pour les agriculteurs. Raison pour laquelle on a cette année des exposants de là et qui présentent des solutions aux agriculteurs. Mmh. Si ça a bien informé, il paraît que l'énergie qui paye les agriculteurs ici, c'est pareil que dans un à cet des paris. Oui, les prix c'est pareil. Oui, aujourd'hui, oui. oui. Par contre, euh, sur l'échiquier européen, euh, voilà, on avait un décalage parce que la France c'est un pays très nucléaire. et de ce fait, on avait un coût de l'énergie très bas. Voilà. Et donc, on en a profité. avant bon, hein, on va pas dire le contraire. Sauf que là, eh ben, tout a changé et brutalement. Voilà. Et Comment vous voyez, il y a, il y a une nouvelle réglementation des bien-être animal qui sont en train de pousser dans l'Union européenne, parce que ça va toucher, il paraît que ça va toucher surtout les petites fermes, les petites fermes et moyennes éleveurs. Il y a um, un souci important ici. Il y a des politiques qui ce pour ces gens ou ces éleveurs ou pas alors, euh, sur la réglementation euh, et par rapport au bien-être animal, euh, dans beaucoup de pays en Europe, on a déjà euh, subi un certain nombre de réglementations qui s'appliquent. Voilà. Moi, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ces évolutions du bien-être animal. C'est le sens euh, de l'histoire, on va dire. Voilà. Et donc, les éleveurs, euh, ils y vont. Ceci étant, il ne faut pas non plus qu'on aille trop loin dans cette logique de bien-être animal qui viendrait en dix handicapé les coûts de production et ce qui fait que les éleveurs auraient encore des comptes trop élevés et en face des consommateurs qui ne sont pas prêts à payer ça c'est la première chose la deuxième sur la réglementation aujourd'hui en Bretagne on a un réel problème d'acceptabilité sociétale de l'élevage c'est-à-dire que un jeune ou un moins jeune qui veut construire une porcherie ou un poulailler c'est pas trop l'État ou l'administration qui l'embête c'est la société les voisins qui n'en veulent plus. Et de ce fait, on a des, des manifestations locales et des gens qui disent non, plus ça. Voilà. Et alors qu'en France et en Bretagne, on a des élevages de taille plutôt petite à moyenne, avec des exploitations familiales, on nous taxe déjà d'avoir des exploitations industrielles et on nous parle de ferme usine. Et on n'en veut pas. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on est en difficulté. Pour la dernière question, comment vous -hmm. voyez les la en Prague? Je reste euh, positif euh, pour nos jeunes euh, parce que je vois bien qu'il il va manquer euh, les denrées agricoles et alimentaires. Et il va manquer. Et je pense qu'on va assister, comme on a eu là, à des prix... Plus rémunérateur, donc plus de rentabilité pour l'élevage. Et du côté des conditions de travail aussi, avec des exploitations qui seront un peu plus grandes, les exploitations vont plus se robotiser, améliorer les conditions de travail. Et de ce fait, on aura des agriculteurs qui pourront vivre décemment et être heureux de leur travail. Mmh. Merci André pour euh, les temps que nous a laissé ici. Et merci de nous inviter. Espas, paz o espera de venir? Sí, espero, sí. Pues bueno, ya lo habéis oído, oh, hay mucha preocupación sobre el, y la renovación en las granjas. Y muchas veces no, los jóvenes, bueno, lo que nos pasa también en España y en muchos países de la Unión Europea, que quieren tener el fin de semana libre, es lógico y, y, es, y es difícil que recuperen las granjas si no tienen una buena rentabilidad. Claro, también les cuesta bastante encontrar gente para trabajar en el campo. Eh, al igual que en España, y hay un problema bastante patente aquí durante esta feria, sobre todo son las importaciones de pollo ucraniano, que están copando todas las importaciones y que hace... ellos consideran que hacen una, una competencia desleal al producto francés. Así que una entrevista más con una persona importante de la región y seguimos.